Coucou, je vous retrouve pour l'épisode 2 du manteau. Nous sommes le jeudi 26 janvier. J'en suis restée exactement à ce point-là la semaine dernière. Il est donc temps de continuer et de reprendre. Je vais m'atteler à la suite de ce manteau. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à la voir dans le petit i qui se trouve ici là-haut quelque part. Mais avant de continuer, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à faire retentir la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo. Le point météo du jour, il fait gris, il fait nuit, bref, passons. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je m'étais arrêtée au point du col, dans le sens où le manteau doublure est monté, le manteau tissu principal est monté également. La prochaine étape va donc être de mettre le col, mais il va falloir que je le fasse en le prenant en sandwich dans la doublure. Autant vous dire que la réflexion est intensive. Je vais me prendre le temps déjà de voir si je comprends un petit peu, d'essayer de tester pour voir un petit peu si tout est bien intégré dans ma tête. Je vous le disais la semaine dernière, mais petit récap, j'ai coupé le col dans le tissu principal ainsi que dans la doublure, mais je vais découdre. Si je n'y arrive pas et que ça me prend trop la tête, je vais simplement recouper les deux pièces dans le tissu principal. Parce que comme je vous le disais, j'ai peur que si je le mets comme ça, ça tranche trop au niveau de la doublure et du tissu principal. Je suis pas forcément fan, donc je préfère vraiment nettement prendre tissu principal pour la doublure et le tissu principal. Bref, je vais donc essayer de découdre cette chose et sinon encore une fois, eh bien, je recouperai les pièces tout simplement. Ensuite, je vais essayer de comprendre le montage de ces trois pièces, manteau principal, manteau doublure et col. Je vous emmènerai avec moi évidemment dans cette couture, alors peut-être pas dans toutes les étapes, mais je vous montrerai quand même un petit peu et je vous ferai un retour en fonction d'eux. Évidemment, je vous montrerai le manteau porté. Bref, vous l'avez compris, je vais vous emmener avec moi dans la suite de la couture de ce manteau. Je vais vous le montrer porté et je vous ferai mon retour sur le patron, sur les explications, sur la couture, sur les points forts, les points faibles, etc. 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 Et bien, c'est parti, je vais tout de suite m'y mettre parce que j'ai quand même très très hâte de le terminer et de vous le montrer. C'est parti! Je vous retrouve, nous sommes lundi le 29, le 30, écoutez, j'en sais rien. Bref, je vous avais dit que la prochaine étape était de faire le col, donc j'avais bien fait le col, sauf que comme une quiche, je m'étais rendu compte que je m'étais trompée dans le sens de montage, c'est-à-dire que l'envers de mon tissu principal avait un thermocollant, et donc j'avais cousu cette pièce principale du col avec la pièce doublure. Sauf que je l'ai fait à l'envers, ce qui fait qu'en fait, quand on retournait la pièce, on voyait le thermocollant, donc la pièce était à l'envers. Ça m'a saoulée. Cette fois, j'ai dû découdre parce que je ne me voyais pas encore une fois recouper deux pièces dans mon tissu, surtout que là, honnêtement, il me reste quasi rien et je ne suis même pas certaine de pouvoir faire entrer la pièce ceinture, donc il faudra que je trouve une autre solution pour ma ceinture. Tout va bien se passer. Voici donc déjà ma pièce colle. Alors comme vous le voyez peut-être, je l'ai du coup coupée en fait dans l'autre sens. J'ai coupé toutes mes pièces en fait dans ce sens-là, et là c'est dans ce sens-là. Tout simplement parce que dans l'autre sens, je n'avais pas assez de tissu pour le faire. C'est pas grave, je trouve que ça fait plutôt sympa. Par contre du coup, clairement dans ce sens-là, c'était une galère. J'ai surjeté les pièces parce que ça s'effilochait, mais c'était juste un truc de malade. Voilà, donc j'ai surfilé. J'ai bien cousu, nous voyons que mon thermocollant est bien à l'intérieur. Voilà, donc j'ai ma pièce colle. La prochaine étape, vous l'avez compris, sera donc eh bien, de poser mon col. Sauf que je vous le disais également,
Quand j'ai regardé les instructions, j'ai vu que le col était pris en sandwich entre le tissu principal ainsi que la doublure. Il va donc falloir que j'analyse tout ça pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine honnêtement de m'y mettre. Peut-être cet après-midi parce que là, il est bientôt midi. J'aimerais quand même faire un petit peu de rangement. On voit que sur mon bureau, c'est un petit peu l'hécatombe là. Voilà, j'ai une paire de chaussettes ici qu'il faudrait que je reprise parce que mon fils les adore. Il faut que je range un petit peu toute cette pile là qui s'est accumulée. Bref, je n'ai absolument pas de place pour coudre dans de bonnes conditions. Donc, je vais quand même faire une petite tentative de rangement sans exagération évidemment. Je vous retrouve, nous sommes mardi finalement hier, honnêtement je n'ai rien fait, je crois que j'étais pas hyper inspirée, le temps était trop dégueu, bref, j'ai même pas rangé mon bureau, j'avais pas du tout envie, ça m'inspirait pas plus que ça, c'est pas grave, ça sera fait un autre jour. Concernant le manteau, je viens juste de poser le col, alors en toute honnêteté, j'ai lu les explications évidemment, mais il y a des petites choses comme ça, j'ai pas forcément tout pigé et je trouvais que c'était pas forcément très net au niveau de la vision, si je puis dire ainsi. Mais de toute façon, ça j'y reviendrai à la fin quand je ferai ma conclusion, je vous expliquerai un petit peu tout ça, enfin mon ressenti du moins. Voilà, donc j'ai déjà dans un premier temps mis le col contre le tissu principal, je l'ai déjà fixé et ensuite seulement je suis venue mettre la doublure, donc il fallait faire doublure et tissu principal endroit contre endroit. Là où j'ai pas trop compris, c'est au niveau de l'espace qu'il fallait laisser de chaque côté. Je sais pas trop. À mon avis, ça va pas être tip top nickel. Là, je crois que j'ai laissé un espace, je sais pas si on verra. Ici, j'ai laissé, je crois, un espace un petit peu trop grand. Du coup, ça risque d'avoir un petit jeu comme ça au niveau du col, en fait. Mais je sais pas trop. J'ai pas trouvé, comme dit, que c'était forcément très clair. Et puis comme... les centimètres qu'on nous donne ne sont pas en centimètres. Ouais, c'est très obscur pour moi, je dois dire. Enfin bref, la prochaine étape, écoutez, ça va être simplement de fixer la doublure sur tout le manteau. Donc il va falloir que je fasse tout le tour, je le laisse positionner de la sorte, et je vais faire coïncider donc mon tissu doublure avec mon tissu principal. Donc je vais devoir tout épingler, j'aurai clairement pas assez de petites pinces, il faudrait vraiment que j'en rachète. Donc je vais utiliser des pinces, des épingles, tout ça, tout ça. Je vais donc tout épingler. Il va falloir que je laisse une petite ouverture pour ensuite pouvoir retourner mon manteau. Pour l'instant j'en suis là. Ils disent aussi de surjeter ensuite ou surfiler tous les bords, donc ça de toute façon je vais le faire, comme ça je suis sûre que ça ne s'effiloche pas. Et ensuite je sais pas encore s'il va falloir que je retourne le manteau. Je ne sais pas, je sais qu'il va falloir que je fasse les manches, mais là, je ne sais pas trop encore s'il faut que je retourne le manteau avant ou si ce sera après. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des manteaux doublure, je l'avais fait pour le trench, cette technique aussi, mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas, je ne l'ai pas assez fait pour me souvenir de tout comme ça. Je vais déjà épingler,
je vais faire la couture et ensuite je continuerai. Mais je crois que là je commence à arriver tout doucement au bout de cette couture. Il va falloir que je vois aussi pour les boutons boutonnières, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas les marquages en fait sur le patron. Bon, donc là je vais quand même encore examiner ça. Concrètement, je pense que ce sera une des dernières étapes. Je vous l'ai dit, j'aurai clairement pas, je pense, je vais vérifier, mais je pense que c'est quasiment sûr, assez de tissu pour faire la ceinture. C'est pas grave, je vais voir si je trouve autre chose, et au pire j'ai une espèce de ceinture élastique qui ira certainement peut-être avec. Écoutez, j'en sais rien, on verra. Pas plus grave. Et ma foi, allons-y, hein. Ça serait peut-être bien que je le termine à un moment ce manteau. Voilà, j'avance doucement mais sûrement, c'est pas encore fini. J'ai donc monté la doublure sur le tissu principal, donc doublure et tissu principal endroit contre endroit en prenant bien le col en sandwich. J'ai cousu donc tout le long des côtés dans le bas pour remonter de l'autre côté. J'ai laissé une ouverture sur un des côtés pour pouvoir retourner le manteau. J'ai un petit peu peur qu'elle soit petite, mais honnêtement j'ai failli l'oublier, donc... Bon, on va faire en sorte que ce soit bon, sinon eh bien, je vais simplement un petit peu découdre avec le découvite. Normalement ça devrait le faire, enfin je l'espère. J'ai surfilé absolument tout le tour pour être sûre, je pense que j'ai bien fait, parce qu'il y a quand même pas mal de moumoutes qui sont tombées. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, j'ai encore une fois très brièvement regardé, mais il va falloir que je le laisse en fait dans ce sens. Je ne dois pas encore le retourner pour le mettre dans le bon sens en fait, dans son sens définitif. Il faut en fait que je fasse les manches. Donc pour ça, si j'ai tout bien compris, j'imagine que la technique est absolument la même à chaque fois qu'il faut doubler un manteau, une veste ou que sais-je encore, mais honnêtement, encore une fois, je n'ai absolument pas l'habitude de coudre des vestes, des manteaux ou ce genre de pièces, et du coup, eh bien la doublure non plus. Ce qu'il va falloir que je fasse donc, c'est sortir la manche de la doublure et la manche du tissu principal. Faudra que je fasse un micmac en faisant attention que une des manches, enfin un des côtés, que ce soit doublure ou l'autre, ne soit pas en train de vriller pour que je puisse le porter, hein, tout simplement. Et il va falloir que je fasse un espèce de machin truc comme ça, donc les assembler paf ensemble, mais je crois qu'il va falloir que je laisse un rebord de 1,5 cm ou 2 cm, quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris encore, j'ai pas compris s'il fallait faire endroit contre envers, envers contre envers. Je crois que c'est envers contre envers. J'ai un doute en fait. De toute façon, je vais relire parce que j'ai vraiment pas envie de me planter. Voilà, j'ai les explications juste sous mes yeux. Donc on me dit qu'il faut que je replie le bord brut inférieur de la doublure de la manche sur environ 1,5 cm. Donc envers contre envers. Concrètement, voici ma manche envers. Donc il va falloir que je fasse envers contre envers un repli de 1,5 cm. Grosso modo, comme ceci. Là, c'est vraiment au pifomètre, hein. Je recalculerai tout ça bien. Comme le tissu, il est hyper glissant, je sens déjà la catastrophe arriver, mais bon, bref. Et ensuite, on me dit insérer la doublure de la manche dans la manche endroit contre endroit comme indiqué. Assurez-vous que la manche soit bien droite et qu'elle n'est pas tournée. Bon, ça, c'est ce que je disais avant. Par contre, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce fameux repli de 1,5 cm et de comment le mettre après. Une fois que j'aurai bien compris cette histoire de manches, de revers, d'envers contre envers et de bref, etc., je pourrai m'y mettre et donc coudre ces fameuses manches. Il faudra que je les couse, que je les surfile. Et ensuite, d'après ce que je lis, il faudra que je retourne le manteau et bien le repasser, le surpiquer. En fait, voilà, il montre une image une fois que la manche est cousu. Concrètement, ça devrait donner ça. Bref, mes problèmes de 3D dans l'espace ne s'arrangent pas.
sommes le lundi 6 février, vous pourrez voir que clairement ce manteau se fait vraiment sur la longueur, sur la durée, bref. Mais j'ai quand même plutôt bien avancé dans le sens où vous avez pu voir les images. J'ai assemblé donc le manteau, doublure, col, tissu principal, ça je crois que je l'avais déjà dit. J'ai pu retourner mon manteau, je l'ai bien repassé pour bien faire coller tout ça parce que sinon ça faisait des vagues et tout, enfin bref, ça tombait pas bien du tout. Et là je viens juste de surpiquer tout le tour. Voici la bête. Alors clairement là vous verrez pas grand chose et on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait grand chose qui est avancé. Je vous disais par rapport au col que je comprenais pas trop le pourquoi il y avait un rebord, une espèce de marge ou je sais plus trop quoi. Bon clairement c'était pour la marge de couture, mais du coup j'avais laissé un petit peu trop d'espace par rapport à ma marge de couture. Ce qui fait que du coup, bon écoutez, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai envie de dire ça va, et c'est à peu près le même schmilblick de l'autre côté, mais bon, ça passe. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, tout va bien, j'ai cru qu'il y avait un défaut. Donc j'ai tout surpiqué, la prochaine étape maintenant est quasiment la dernière, les boutonnières ainsi que les boutons. Alors je vous disais que sur mon patron, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas les... comment dire? Les repères de boutons et de boutonnières. Et en fait, je viens juste de regarder, ils y sont bien, sauf que je ne les avais pas vus. Bref, les voici en fait à ce niveau-là, donc tout va bien, je ne serai pas obligée de faire au pifomètre. De toute façon, pour tout ce qui est retour du patron, encore une fois, je vous le ferai à la fin. J'aurai encore des choses à ajouter de toute façon concernant les petits points que j'ai pu faire lors de la précédente vidéo ou celle-ci. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, je le ferai lors de la conclusion à la fin de la vidéo. Donc, je vais pouvoir maintenant m'atteler aux boutonnières. Honnêtement, c'est pas l'étape que je préfère, mais alors vraiment pas. J'ai toujours peur que ça foire. Enfin, écoutez, on verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore choisi mes boutons et honnêtement, je ne sais même pas si j'ai des boutons qui vont pouvoir convenir à ce manteau, au tissu, etc. Bref, en tout cas, il est évident que je terminerai la couture de ce manteau aujourd'hui. Enfin, je dis ça, mais on n'est pas à l'abri d'un contretemps. Par contre, pour les vidéos portées, est-ce que je les ferai aujourd'hui ou pas? De toute façon, pour vous, ça n'aura pas d'incidence. Je finis le manteau, je vous le montre porté et je vous fais ma conclusion. Thank you.
Je vous retrouve, nous sommes le mercredi 8 février, milieu d'après-midi. Ce matin, je suis allée faire les vidéos du manteau que vous avez pu voir juste à l'instant. Il est donc temps de vous faire ma petite conclusion sur cette couture. En toute franchise, si je dois comparer le manteau que je viens de coudre, donc Duchesse de chez Ellie & Mac, avec le trench Calamity Jane de chez Sewing Song, en toute franchise, j'ai trouvé que le trench était bien plus complexe, bien plus difficile à coudre que le manteau Duchesse. Le manteau Duchesse m'a fait un petit peu suer avec les pièces en 3D, vous voyez, surtout le haut en fait, à savoir quel côté devait aller à droite et à gauche. Et là, honnêtement, je me pose la question si je me suis pas plantée. Mais écoutez, c'est pas plus choquant que ça, je pense. Par contre, pour la jupe, le machin qu'il fallait un coup en haut, un coup en bas, franchement, j'ai arrêté de me prendre la tête parce que franchement j'en pouvais plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé mes pièces individuellement. Je les ai posées comme ça devant moi pour voir, tiens, comment est-ce que ça devait faire. Et je les ai coupées comme ça sans me prendre la tête à le haut doit être en bas, le bas en haut, je ne sais quoi encore. Ça m'avait saoulé, pour être franche. Et je me suis dit que si je continue à me prendre la tête comme ça, le manteau ne serait jamais cousu. Je ne l'ai peut-être clairement pas fait d'une manière très académique. Ça a l'air plutôt de fonctionner. J'ai l'impression du moins, vous me direz ce que vous en pensez. Concernant les points que j'ai relevés, j'ai mes petites notes sur mon téléphone. Je vous avais dit que j'avais visiblement mal écrit les manches ou qu'il fallait que je vérifie parce que j'avais marqué couper une fois dans la doublure et une fois dans le tissu principal. Donc j'ai vérifié et en fait c'était pas très clair. Dans le sens, il y avait bien un 2, mais il y avait aussi un 1. Écoutez, ma foi, c'est pas bien grave, de toute façon, en toute logique, on a deux bras, donc j'ai coupé deux fois mes manches, pas de problème. Donc, je vous l'ai dit, j'ai vérifié le placement des boutonnières, et effectivement, les boutonnières sont bien indiquées sur le patron. Concernant, on va dire, les points techniques, c'est à peu près les seules choses que j'ai notées. Je trouve que la plus grosse difficulté était vraiment de voir quelle partie allait à droite, quelle partie allait à gauche, et pareil pour la jupe. Concernant les explications, écoutez, j'ai trouvé que ça allait. Le seul point que j'ai trouvé plutôt perturbant, ce sont les photos. Dans le sens où, en fait, il y a plusieurs tissus qui sont utilisés en photo. Alors, il commence avec un espèce de tissu noir, un peu baroque, donc bariolé. Ensuite, on nous montre un tissu rose clair pour avoir plus de contraste. Ensuite, ça revient à une autre couleur. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu perturbant. Il y a aussi la technique en fait du col que j'ai pas tout trop compris non plus. Il y a la technique de la manche que franchement, en photo, je n'ai pas compris parce que je vous avais dit qu'il fallait faire un revers de 1,5 cm. Grosso modo, hein, c'était comme ça. Et ensuite, on nous disait simplement de mettre la doublure dans le tissu principal en fait. Et en fait j'ai pas compris à quoi servait ce revers. Je me suis dit que éventuellement ça servait peut-être pour la marge de couture, mais je n'ai pas réussi à comprendre. Concrètement, je n'ai pas fait ce revers parce que comme je ne comprenais pas pourquoi il était là, je ne l'ai pas fait et j'ai simplement assemblé mes manches voilà comme il fallait le faire. Parce qu'en plus sur les photos, ce n'était pas clair. J'ai fait comme ça et ça a fonctionné. Donc écoutez, ma foi, voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment par rapport aux photos, c'est vraiment le gros point qui m'a posé souci. Dans le sens où je trouve que c'est très bien d'avoir des photos. Mais en fonction du tissu choisi, je trouve que c'est pas forcément très clair. Et là, en l'occurrence, il y a des points qui m'ont semblé un petit peu obscurs, même si... je ne trouve pas que ce soit d'une grande technicité ou d'une grande complexité. Je trouve que parfois, ben, les mots, si la photo ne va pas avec les mots, eh bien en fait ça nous induit un peu en erreur ou, enfin en tout cas moi personnellement, je me pose 15 000 questions et au final je doute vraiment et je sais pas trop si c'est ça. Donc je le fais, ça fonctionne, mais est-ce que c'est exactement ce qu'il fallait faire? Écoutez, ma foi, je n'en suis pas sûre. Autre point que j'ai relevé, alors là par contre c'est concernant les tissus. Je vous l'ai dit, le tissu polyester c'est une catastrophe sans nom, ça fait de l'électricité statique, je me suis bouffé je ne sais combien de châtaignes, c'est vraiment pas agréable, note pour moi-même, je n'achèterai plus cette matière. Alors j'ai encore un tissu polyester qui m'attend également pour une doublure de manteau, je le trouve très beau donc clairement je vais l'utiliser, mais il va de soi que je n'achèterai plus cette matière parce que je n'aime pas du tout. Je n'ai pas aimé la travailler, cette matière. J'ai trouvé que ça glissait, ça partait dans tous les sens. Alors, vous m'avez dit qu'il était possible de l'amidonner pour avoir des facilités à le couper ou à le travailler. Honnêtement, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, voilà, j'ai fait comme ça.
c'est pas grave, je n'achèterai plus de polyester, ça c'est clair. Concernant le tissu, je vous l'avais dit, le tissu lainage, alors qui a soit 100% laine, soit 80% laine, au final je ne sais pas trop. J'ai pas trouvé qu'il était très désagréable à coudre, par contre il est très fluide, et je pense que le manteau aurait complètement un autre aspect si le tissu était plus lourd. L'avantage c'est qu'il est fluide, donc je trouve que ça lui donne un mouvement plutôt sympa, mais au niveau du tombé, honnêtement, je pense qu'il y a mieux, parce que là, il est tellement léger qu'il a plutôt tendance à gondoler par endroits, alors que ça ne devrait pas. De plus, il y a deux endroits, enfin des deux côtés, je trouve que ça ne tombe pas joliment, pourtant je l'ai repris, je ne sais pas pourquoi ça tombe comme ça, donc est-ce que c'est parce que le tissu est trop léger ? Je me pose la question, je ne sais pas. Alors clairement, c'est portable, je l'ai porté toute la matinée, je ne me suis pas sentie mal à l'aise dedans. Concernant la matière, on va dire le côté thermique de la chose, alors je suis sortie donc, pour faire mes rushs ce matin, il faisait 1 degré avec un vent glacial, je portais exactement ça en dessous, donc j'ai un petit sous-pull à manches longues en dessous, plus le pull qui est quand même relativement épais, donc j'avais pas de difficulté à mettre mon manteau, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, je n'avais pas froid. Alors là où j'avais froid, c'était au niveau du cou, donc j'ai mis une écharpe. Malgré le petit col, honnêtement, je ne trouve pas qu'il soit... Je trouve pas qu'il serve à grand chose en fait ce col, si on met une écharpe en dessous à la limite, mais il y a quand même beaucoup d'espace et du coup je trouve que le col n'apporte pas grand chose niveau thermique. Du moins c'est mon impression parce que j'avais froid au cou ce matin. Bref, alors j'avais le pif rouge et les mains rouges, c'est juste parce que j'avais froid au pif et aux mains. Hein. Mais le manteau, je ne l'ai ni au pif ni aux mains. Bref. Par contre, effectivement, au niveau des manches, elles sont peut-être un tout petit peu longues, mais personnellement, je préfère quand mes manteaux tombent bien sur la main, plutôt que quand je lève la main, je l'ai au niveau du coude. Hein. Voilà. Il va de soi que pour marquer les tissus, c'était plutôt compliqué, dans le sens où la craie, ça ne fonctionne pas. Le friction, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, pour tracer tout ce qui est pince et ce genre de choses, franchement, c'était un petit peu sportif. Quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, justement, comment je faisais. En fait, j'ai épinglé, tout simplement. J'ai laissé mon calque, en fait, sur le tissu. J'ai bien placé mes épingles. J'ai fait comme ça. Mais après, je suis très bête parce que j'aurais pu bâtir. Ça aurait été nettement plus simple. J'y ai pensé après. Bref. J'ai également lu la remarque suivante. C'est que comme j'ai fait imprimer mon A0 en couleur, il était normal que c'était beaucoup plus cher. C'était un choix effectivement de ma part de le faire imprimer en couleur. J'avais envie de plus de simplicité, soyons clairs. Du coup, je n'ai pas regardé à combien était l'impression noir et blanc. Mais oui, je sais que effectivement l'impression noir et blanc est moins chère que l'impression couleur. Par contre, là aussi, souvent, en tout cas, il arrive que dans les patrons, vous ayez que des traits, par exemple, et que ces traits-là sont de différentes couleurs. Donc bah là, clairement, vous êtes obligé de faire l'impression en couleur. Donc faites bien attention quand même. Parce que si vous n'avez pas différents types de petits traits, de lignes, etc., bah, en fait, si c'est que des couleurs, enfin bref, vous avez un peu compris le principe de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'étais très claire. Bref. Vous avez également été quelques-unes à me dire que souvent la marque fait une vidéo du patron. Alors je suis allée voir, il me semble qu'effectivement il y a une vidéo, mais franchement ça m'a saoulée au bout de 10 minutes. Alors pas forcément parce que ce n'est pas en français, mais parce que la façon de tourner où on voit la planche à repasser, ça m'a pas du tout parlé. Quand je vois un tuto comme ça, j'aime souvent voir d'au-dessus pour voir ce que fait la personne. Je trouve qu'en face et en plus quand c'est loin, on voit rien du tout. Donc j'ai arrêté au bout de 10 minutes parce que ça m'a saoulée. Mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes, bien évidemment. Ce que j'ai également fait par contre et que je n'ai pas dit, lorsque j'ai monté en fait le manteau, donc le manteau doublure et le manteau dans le tissu principal, je les ai laissés suspendre sur le cintre pendant 24 heures. Comme il y a des arrondis et tout, je me suis dit que ça risquait peut-être d'être déformé. Je sais plus où j'avais entendu, lu ou vu ça, mais bon bref, je les laissais suspendre, comme ça après j'ai pu les assembler sans problème. Et je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Donc encore une fois, franchement dit, couture vraiment pas compliquée. Il n'y a pas tant de pièces que ça. C'est pas plus complexe que ça. Je vous le redis honnêtement, la couture de mon trench m'a demandé beaucoup plus de patience, de rigueur. Pour celui-là, j'ai vraiment trouvé l'exercice plus simple. Ce qui a été plus compliqué dans cette couture, c'est vraiment les tissus et plus particulièrement le tissu polyester. Donc comme quoi, parfois, la couture peut s'avérer plus compliquée pour un modèle plus simple, tout simplement pour un choix de tissu.
Bref, je le note pour plus tard. Est-ce que c'est vraiment un manteau que je vais pouvoir porter en plein hiver quand il va faire moins 10 ? Je ne pense pas non plus. Comme dit, là, avec 1 degré et un vent très froid, je l'ai supporté. Bon, il est évident que si je devais être dehors toute la journée, c'est franchement pas forcément le manteau que je mettrais. Mais je pense que quand il commence à faire entre 5 et 10 degrés, c'est tout à fait le manteau que je pourrais porter sans aucun problème. Qu'un espèce de manteau un petit peu mi-saison, comme ça. En toute honnêteté, hein, j'étais vraiment dans un lieu voilà, où il y a la forêt derrière et où il y avait un grand espace. Je ne me pelais pas les miches. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose. Pour un manteau, c'est quand même mieux. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce manteau. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Comme d'habitude, j'ai un retard monstre sur les commentaires. J'essaye vraiment de faire au mieux. Vous l'avez vu également, c'est un manteau que j'ai cousu vraiment sur la durée. Même si c'était pas une pièce bien compliquée, eh bien j'ai pris mon temps. Je crois qu'il a été fait sur 3 semaines à peu près. Donc j'ai vraiment pris mon temps et autant vous le dire, je n'ai rien cousu d'autre. Encore une fois, je suis vraiment plutôt dans une couture où j'ai envie de prendre mon temps et je n'ai pas envie de faire de l'usinage. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous l'ai dit, mais on n'hésite pas à commenter si ce n'est pas encore fait. Eh bien, on peut s'abonner à ma chaîne, on fait retentir la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et si vous voulez me joindre, mon mail est juste en dessous. Là aussi, j'ai du retard, j'en suis désolée. Et surtout, parfois, les mails vont dans les spams. Quand j'y pense, j'y vais, mais je n'y pense pas tout le temps, d'où mon délai de réponse plutôt lent. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, prenez soin de vous, et je vous embrasse très très fort. Bye bye.